Salut à tous, c'est Zitag. Dans cette vidéo, on va tester une nouvelle survie, donc qui s'appelle Survie à Zancudo. Donc vous allez voir que c'est plutôt intéressant, en tout cas je l'espère. Donc il y a cette semaine RP et Dola doublé dans ces modes de jeu là. Donc voilà, ils ont ajouté aussi des nouvelles. Donc ça fait partie d'une des nouvelles. Donc on est justement au fort de Zancudo. Survie, c'est quoi? C'est tout simplement vous avez des vagues d'ennemis qui vont arriver tout simplement. Donc là, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a nos armes à nous. Donc franchement, ça devrait pas être compliqué. Donc voilà, vraiment, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien. Les survies, c'est cool à faire. C'est pas forcément toujours évident. Au début, ça va. Mais au bout d'un moment, ça devient quand même assez compliqué. Donc voilà. À voir ce que ça va donner. En sachant qu'on n'a pas vie illimitée, je crois. Tac, tac. À gauche. Voilà, tac. Alors là, c'est un peu plus cheaté, je trouve, parce que là, on a du coup nos armes à nous. Donc forcément, c'est plus simple. Mais il y a certaines où tu peux enlever, je crois, dans les paramètres. Wow, il y a du monde là. Ok. Donc, on se bat contre l'armée. Hein. Ok, nickel. Donc là on a fini la vague 1. Donc voilà un petit peu le principe, c'est de justement faire un maximum d'élimination sans mourir bien entendu, en sachant que vous avez des petits soins régénérateurs ici là que vous pouvez prendre quand vous avez plus de vie, et vous avez aussi des boucliers donc que le mec va chercher je pense. Voilà, donc lui il l'a pris, là il n'y en a plus, mais voilà, en gros c'est ça pour ceux qui connaissent pas. Si vous jouez cette semaine à une survie, vous avez aussi un bonus de 100 000 $. Hein. Sachez-le, Rockstar vous offre un bonus de 100 000 $ si vous jouez dans le mode survie cette semaine. Donc voilà, ça fait plaisir. En plus des RP et des dollars triplés. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Oh. Pas mal de vie, hein. Faut un peu se mettre à couvert quand même, hein. Et comme vous voyez, ça change un peu d'endroit à chaque fois. C'est pas toujours au même endroit. Tac. Tac. Ok. Là on a fini la vague 2, je crois il y a 10 manches en tout. Si on arrive à la fin, ça dépend. Je vais essayer de choper un truc de vie. Voilà, donc là ça régène ma vie en gros. Je vais essayer juste recharger comme ça. Je suis de nouveau opérationnel. Moi je prends celle-là, après mitrailleuse c'est bien parce qu'il y a un gros chargeur. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a un sale recul là. Wow. Il y en a un qui est mort, faut faire attention. Hein. Wow, voilà le monde qu'il y a là. Alors certains ils ont des fusils à pompe. Des trucs comme ça, donc faut faire un peu attention. Ça va venir un peu de partout, hein. Ah, derrière moi. Je sais pas si on a choisi le plus simple, mais ça reste l'armée en face.
Voilà, vous voyez un petit peu le principe. On va pas finir là-dessus parce que c'est toujours un peu la même chose. Mais je voulais vous montrer pour les personnes qui connaissaient pas vraiment le mode survie. Franchement, c'est plutôt bien, c'est fun à faire et vous pouvez gagner facilement de l'argent. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la fin prochaine. Ciao tout le monde.